Donc, Kamel Zülfülek. Zülfülek, Zülfülek, Kamel, nous avons le voyage ni mais dans ces zones avec la zone. Il y a une après de l'avion, la chance. On a fait un long voyage, 11 heures de vol, avec une escale à Niamey. Malgré que le voyage a été long, mais franchement, il y a de l'ambiance dans l'avion, entre les joueurs, tout le staff technique. Il y a 11 soya, il y a très bien. Donc, ça s'est très bien passé. On peut dire que la guerre de l'Osaka, on a été bien, très bien reçu. Nous faisons les dirigeants de l'équipe adverse, plus l'attaché d'ambassade de guerre qui nous attendait avec deux Algériens de la région Nord qui nous ont attendus. À terme, ça a été de l'hôtel. Justement, à la flotte, les conditions de séjour, l'équipe, un petit nous sommes dans un hôtel vraiment magnifique. C'est un 5 étoiles, vraiment grande classe. Une superficie de 50 hectares avec des chambres d'hôtel magnifiques, la verdure, terrain de golf, vraiment magnifique. Dès les joueurs, ils sont vraiment retrouvés avec la petite balade de Guy en terrain de golf, un tour du parc de Guy. Vraiment, ça, les conditions d'hébergement de Guy sont extraordinaires, franchement magnifiques. Donc, c'est l'équipe nationale justement de l'hôtel de Catilien, puisque c'est la 25, ville, même stade aussi. Justement, le cardinal de Guy, l'équipe nationale, ils ont réservé de Guy. L'hôtel, le même hôtel, donc vraiment magnifique. D'ailleurs, ça fait même pas un mois à Guiglia. C'est géré par des étrangers, vraiment magnifique. Vraiment, il y a une très bonne ambiance. Vraiment, les joueurs sont dans tout ça, mais il y a vraiment de l'offre. Les conditions de travail avec le staff technique sont magnifiques. Quand les résultats l'aiment, l'ambiance est là, les conditions de travail l'aiment, tout se passe bien, la confiance revient. Inch'Allah, tout ça, ils vont le refléter Inch'Allah, sur le terrain le jour du match contre l'équipe Guy, ils ont bien. Inch'Allah, moi je suis confiant, Inch'Allah, on va faire un bon résultat. Justement, ils vont évoluer sur du gazon naturel, donc ça peut être un avantage pour le GSK. Tout le stade, il paraît que c'est un magnifique stade. Nous avons fait des vidéos, mais on ne l'a pas vu encore. Zkar Nizar a retardé d'entraîner à l'heure du match. Et les joueurs nord sur du gazon, ils se. Ça finit même très très bien. Inch'Allah, Inch'Allah. On va tout faire pour faire un très bon résultat. On se fera des supporters. La GSK, toi, sur le plan technique, tu es avec le directeur de sportif. Donc, tu as quel est le pronostic que tu sois la GSK sur une bonne dynamique de victoire. Donc, le match qui est cette année, est-ce que tu as la semaine, tu as la semaine, tu as la semaine, tu as la semaine. Là, je suis vraiment confiant. Les garçons sont dans une confiance totale. Au Fanny Manson, ils ont cru que les capacités sont intégrées, qu'est-ce qu'ils valent. Donc, sur le terrain, tout ça se reflète sur le terrain, le jour du match. Même la volonté sur le terrain, ils se battent de la première minute à la dernière minute. La preuve, on a marqué des buts vers la fin, le match de la dernière fois, la 89e, la 88e. Donc, c'est des gens, c'est des joueurs vraiment qui se donnent à fond. C'est là qu'il y a une guerre et je suis persuadé qu'on va faire un très bon résultat. Je suis là, c'est la Zambie. C'est la Zambie. C'est la Zambie.
une jeune équipe pleine d'avenir et d'espoir. Merci. Merci. Merci.